Bonjour à tous les gamers. Donc on se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. Donc nous sommes rendus à la quatrième partie. La dernière fois j'étais dans la merde, hein, clairement. J'étais en train de rechercher des potions. Parce que comme on peut voir, Cassandra, enfin même moi d'ailleurs, enfin tout le monde est dans la merde, hein, clairement. Voilà, hein, sauf notre ami. Donc voilà, bah, j'en avais pas trouvé. Hein, je pense que j'avais tout fait le tour. J'avais pas trouvé. Donc bon, bah, tant pis. Hein. De toute façon, on va continuer sans. Parce que je n'ai pas vraiment le choix. Du coup, on avait, en cherchant des potions, on avait réussi à débloquer pas mal de quêtes. Donc du coup, on va aller voir les quêtes dans le journal. Et nous sommes au marché des terres. Et nous avons... Attendez, je vais fermer celle-là. Nous avons maître de l'écurie. le maître palefrenier Denet essaie plus de fournir des chevaux à l'acquisition. Il faut simplement l'en convaincre. Donc là, en fait, on peut activer les quêtes. Donc là, j'ai activé celle-là. Donc on va l'activer celle-là. Hein. On fait au fur et à mesure. Hein. Alors, du coup, c'est par là. Hop. Je vais dégager un petit peu le bordel. Je vais plus rien ma télé. Je ne vais pas lire. Alors, Eh ben là, on a encore une autre quête. Hop. Sauf que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était passé par là. De quoi avez-vous besoin pour tenir chaud? Ouais, mais ça, on a déjà parlé aux garçons, mais c'est dans la merde, mais voilà quoi. Donc là, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, on était passé par là. Et bah, on était clairement dans la merde quoi. Pour un truc tout con, c'est que. On n'a plus de potions, donc on s'est fait démonter la gueule. Mais démonter correctement. Donc bah là, on va essayer que. Bah, on s'est moins démonter la gueule, hein. On va essayer, on va essayer, on va faire ça bien. Regardez ça. Les apostats sont devenus ivres de pouvoir. Les Templiers n'ont pas l'air. Là, je fais un mode furtivité pour essayer de les prendre à revers. Merde. Putain, je me suis fait prendre quoi. Non, ne touchez pas. Hop là. Ah putain, je suis morte. Misère. Misère. Allez. Ah putain. Ah, on se fait démonter, mais démonter quoi. Puis je t'ai toujours pas trouvé la putain de touche pour sprinter. Putain, bah, je me renseigne là-dessus quand même. Parce que moi je continue mes gameplays hein, jour après jour, mais cette touche, non, je la connais toujours pas. Non, tu m'auras pas, ma chier. Hop là. Merde. Hop là. Hé, hey, c'est bon. Lui il est mort. Ensuite. Ah, t'aimes pas ça, hein. Hein. Attends, mais t'as cru quoi, toi? Les attaques à zone d'effet permettent de viser des groupes d'ennemis. Ok. Vas-y, je m'en fous, de toute façon, attaque là. Il faut continuer si on veut. Non, 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 hop là. Passe-moi avec lui, là. Je sens qu'on est dans la merde, quand même. Ah merde, je lui ai donné l'immunité. Ah, bah oui, forcément, sans potion, c'est la galère. Hein. Putain. Putain, 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 putain. Putain. Ça veut bien trouver une solution, mais de toute façon, la solution est forcément de passer par là, de toute manière. Donc j'ai pas vraiment le choix. Il va falloir juste aller doucement, je pense. Et ouais. J'ai plus du tout de potion. Ouais, bon.
Putain, mais c'est, je suis sûr que c'est le mage en plus qui nous tue quoi. Allez, on va rester ensemble, on va rester ensemble. Putain, j'ai l'impression que c'est que ça a rien le machin. La balette, ça fait plus autant d'effet que j'aurais voulu. Allez, on est bien là, on est bien. Merde, merde, non mais fouille-le pas, putain, mais t'es mal. Ah bah voilà, 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 qu'est-ce que je viens de dire? Putain, au secours! Au secours, j'allais... Putain! Hop, 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 hop. On va annuler. Là. Oh ah, dégage. C'est chez moi, ça. Bon, l'avantage, on sait qu'on... Quand on reste là-dedans, il n'y a pas de nous faire chier. Là, en sortir. Je suis très très mal. Hein. Je sais le reconnaître. Hein. Y a pas de souci. Je crois qu'il n'y a plus qu'une cible, mais sans être sûr. En fait, il faudrait que je monte en hauteur pour l'avoir. Putain, il a jeté à côté. Fait chier avec son bouclier là. Ah, ça peut durer longtemps, moi je vous le dis, les amis. Le pire, c'est qu'il perd, là, il perd, mais enfin, je sais pas, sur la barre de vie, j'ai l'impression qu'il perd que dalle, quoi. Non, vas-y, va chier. Dégage, c'est chez moi. C'est quoi? Ah, c'est des ennemis, ça aussi? Non. Comment dire, je suis pas dans la merde. Aïe. Putain. Ah, petite flèche dans le cucu. Ah, on la connaît bien, la petite flèche au cucu, y'a pas le problème. Putain, on va y arriver quand même, je sais pas, enfin on est très mal quand même. Et c'est bizarre quand même qu'il y a pas de... qu'on n'arrive pas à trouver de potion, je sais pas, je trouve ça assez spé en fait. C'est quand même un village quoi, donc bon, je réessaye une dernière fois, si vraiment j'y arrive pas, bah je laisse tomber entre guillemets. Juste regarde un truc dans l'inventaire. Arme. Merde. Un lame du voleur. Voilà, déjà lame du voleur, ça fait un peu plus mal. ensuite, Babianca. Ok. Je vais mettre la foudre. Et toi, bah, de toute façon, je t'ai mis la masse. Non, c'est pas la masse, c'est la hache de combat que je t'ai mis. Mais de toute façon, vu les tactés, à mon avis, de toute façon. Regardez ça. Ah, les gars, faut vraiment qu'on reste ensemble, quoi. Je vois tout autant de templiers. Allez, les gars, on reste ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble. Allez, on reste ensemble, on reste ensemble. Ouais, bien. Putain.
Tiens, il reste qui? Ah, mais il reste toujours le même, tiens. Aïe, aïe, aïe. Ah, vite, 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 vite. Barre-toi, je sais pas, saute, vol, j'ai rien à branler, mais fais quelque chose. Ah, ah, aïe. Vas-y, on va essayer de monter. Putain. Bon, j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que si je mourais, je changeais de quête. Et bah, c'est ce que je vais faire. Je vais changer de quête parce que de toute façon, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Merde, c'est pas l'inventaire que je vais laisser dans le journal. Ah si, c'est dans le journal, je suis quand même pas folle. Des billets sauvages viennent vivre dans les collines près du croisement de l'avion pour éviter la famine qui menace les réfugiés. Bon, on va essayer de faire celle-là. Peut-être que en donnant peut-être qu'en donnant les béliers, du coup, ça donnerait des potions. J'essaie de trouver des solutions, comme on dit. Mais bon, on va bien voir. Pourquoi la quête est toujours active? Peut-être parce que j'ai trop de quêtes, en fait. J'essaie de regarder si je trouve pas des trucs pour les potions, mais... Que dalle, hein. Franchement, que dalle. Bien, faites-moi signe si vous en trouvez une. Bon, on est parti. Pourquoi je passe par là? Ah, c'est pas de combien ça? J'ai un doute. Si, c'est là de combien? Bon, on va aller chercher des béliers. On va faire un peu de chasse. Bah, en fait, ouais, j'espère vraiment que en faisant des quêtes, on va nous donner des potions. Enfin, je sais pas, quelque chose quoi. Parce que là, c'est la misère. Moi, ce qui me fait le plus, enfin, ce qui me semble le plus flagrant, c'est quand même Cassandra, quoi. Si vous regardez en haut à gauche, elle est dans un état pitoyable. Mais pitoyable. On va passer par là. Ah, c'est cool, il y a des choses à fouiller en plus. Les écailles de dragonneau. Ça a dû, ouais, ça a dû pour produire des armes ou autre chose après. Je sais pas où je... Ah, il y a le combat là-bas. Moi, je veux pas y aller. Je suis harcé dans la merde comme ça. Allez! 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 Ouais! Allez, la même. Et là, voilà du bélier. En voilà du bélier. Allez, les gars. Attendez, hop. Attaquez ma cible. Allez, les gars. Faut aller chez du bélier. Bon, c'est du bélier, de toute façon, ça. Ah, je vais les suivre. Vous n'auriez pas vu une éclaireuse de l'acquisition? Une elfe du nom de Ritz. Tu me veux, toi. Là-bas. Non, je te parlais en ami, mon gars. Qu'est-ce que tu viens me faire chier? Ritz, bon sang, où est-ce que t'es? Vous dites que vous êtes sans nouvelles de votre ami? Elle était censée aller voir des apostats. Si je n'étais pas en service, j'irais à sa recherche. Okay. On se voit plus tard. On se voit plus tard, voilà. Bon, maintenant, ils sont où mes béliers? Ah, c'est bien beau tout ça. Mais j'ai perdu mes béliers. Son tout à l'heure, il partait par là. Donc je suppose que j'en trouverai par là. Il y a un campement par là. Bon, je vais là. On campe ou on continue? Eh ben, t'as bien le campement, vas-y. Campement d'acquisition. Une fois établi, campement d'acquisition permet au groupe de se reposer, de remplir ses potions, de régénérer ses santé, de changer ses compagnons, de compléter les grecs. Ah putain, voilà, j'ai enfin trouvé. Oh, ça fait plaisir, putain. Bon, alors du coup, on va se reposer, peut-être. Ouais, c'est bon, tout le monde va se reposer, je suis chouette. Je suis chouette.
Du coup, les potions, elles sont où? Ah bah les potions sont remplies automatiquement. C'est cool. Rien à signaler, noble dame. Ok. Bien. Continue ton boulot. Bon, c'est Nelfides. Alors, inspecter les réquisitions. Il faut toujours du bois, il faut toujours de la soie. Bon, ok. Équiper les potions. Et c'est bon, les potions, on les a. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. On a enfin trouvé, on a enfin des potions. Là, c'est bon, on est paré, on peut faire ce qu'on veut. Là, c'est bon, tranquille. Et en plus, on a du bélier. J'en ai marre que les béliers se cassent. Alors moi, je vais faire merde. Ah mais ils sont trop loin, les gars. Putain, vous faites chier, sérieux. Ah putain, il a pris cher, lui. Oh putain, il a pris cher. Alors, du cuir de bélier et de la viande de bélier. Eh, vas-y. Allez, les gars. Attaquez ma cible. Allez, allez, on le gèle. Voilà. C'est ça qu'on veut, les gars. Travail d'équipe. Allez. On continue. On continue. Qu'est-ce que tu ne veux, toi? L'autre, son pote derrière, je sais pas si vous voyez, il voit rien. Faut que le mec il voit rien du tout, quoi. Allez, les gars! Allez, c'est quoi ça, les gars? Comme une grosse merde. Allez, les gars, on sait ce pas faire, nous. Allez! Allez! Voilà! Comme un groupe bien entraîné. Allez, allez. Voilà, c'est ça qu'on veut, nickel. Attendez, je vais juste fouiller ça. Hop, je prends tout. Y en a un là. Non, d'accord, ça a rien à voir. J'ai du bélier. Excusez-moi les gars, je m'occupe de mon bélier. L'affrontement entre les mages. Non, je peux pas. A coûté la vie à de trop nombreux. C'est bon. Ouais. Bon, c'est bon. Mais rentre. Il est mort où? Il est mort où pour que je fouille? Bonjour. Attaquez ma cible, bordel! Vous me regardez faire là, comme un âne. Allez les gars. Allez! Voilà! Allez! Bien, les gars! Bien! Oh putain! Comment je monte là-dessus? Comment je monte? Allez! 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 Voilà! Attaquez ma cible! Il y a plein de billes en plus, ça c'est chouette! La misère, je sais pas courir, c'est ça qui m'énerve encore plus. Et ça, eux, comment est un âne? Ça, eux, putain, ouais, hop, on est parti. Attaquer ma cible. Donc on va faire ça pour les 10, ça va être beaucoup plus simple, au lieu de se faire chier courir après. Et moi je passe juste là pour fouiller. Hop. Ensuite. Merde, ça va faire. Hop, attaquer ma cible. Hop là. Allez, on est rendu à 6. Ils sont encore barrés en plus, hein. Oh, shit. Bon, au moins on découvre, hein. Pourquoi ça pue la merde?
la lettre trouvée sur le cadavre d'un noble. Je vous laisse lire. Comme d'hab. Hop là. C'est en fait de monter là-haut. Oh putain, ouais, non, c'est même pas la peine. Ce n'est pas la peine. Là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Oh putain, je me casse la gueule, Non, c'est bon. C'est quoi ça? C'est un coffre? Non, c'est un banc. Putain, je me suis fait troll. Voilà, c'est clair. Ah putain, ouais, faut pas monter dessus en fait. Con que je suis. Voilà. Hop, directement une potion. Non, pas la monte pas là, putain, non. Ah putain. Toi t'es mort, et ensuite il reste plus que toi. Cette pute. Pour prendre lui, mage contre mage. Allez. Voilà. Shina. Tu peux sauver Shina, s'il te plaît. Les apostats ont fui vers les collines. Voilà, c'est cool. Déquée ma cible. Démerdez-vous. Voilà. Tout prendre. Ah, mais j'ai les cornes de bélisque aussi. T'as, je les avais pas, il me semble. Alors. À la fin de Nuit Horrible dans la haute ville, on découvre que presque tous les personnages sont des espions ou des traîtres. Attendez, vous avez lu mon livre? Il était dans la bibliothèque de l'Inquisition. Tout le monde porte un masque, sauf Donen. Est-ce si courant que ça? Vous parlez toujours de mes livres ou est-ce que vous me demandez si tous les gens que je connais sont des agents secrets? Y a-t-il beaucoup de manipulateurs dans la littérature naine? Il y en a quelques-uns, mais ils restent exceptionnels. La plupart des écrivains honorent les ancêtres. Rien de... passionnant. C'est dans la littérature humaine que vous trouverez les traîtres les plus roublards. Curieux. Pas vraiment. Les nains décrivent un idéal. Les humains écrivent pour tenter de comprendre les choses telles qu'elles sont. Bon, on a appris un petit peu que sur le... sur nos personnages, sur nos compagnons, on a appris un petit peu, comme quoi il y en a un qui avait écrit un livre et tout. C'est bien, on apprend à les connaître, donc c'est pas mal. J'ai je m'éloigne de plus en plus. Je sais pas si c'est... Et mes dragons ferment la faille, ok. Oh, trop facile. Trop facile. Préparez-vous pour la prochaine vague. Ah ouais, maintenant ça se passe en forme de vague, ah ouais. Allez les gars, restez là. Protégez-moi. T'appelles ça protéger, toi, sérieux? Allez les gars, occupez-vous deux. Tout me passe à causer, j'ai vraiment du bol, ça. Mode rien à foutre, hein.
utiliser, vas-y. Putain, mais pourquoi je tombe toujours par terre, moi? Allez, voilà. Ouais, c'est une bonne équipe, ça. Alors, il n'y a plus de paille. Bon. Bon. Un anneau de... bon viande. Ah, ouais, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Puissance plus 1. Ah bah, ça y est, quand même. Bon, au niveau des béliers, parce que c'est bien beau tout ça, mais à la base, nous, ce qu'on voulait, c'est des béliers. Là-bas. Attaquer ma cible! Ok, je peux douter venu, toi, mais c'est pas grave. Non, mais je m'en fous, en fait, c'est mon bélier, ils vont du bélier. Putain, les gars, franchement, je vous ai demandé quelque chose! Allez, allez, allez. Allez, les gars, putain, il y en a deux, il en faut que deux. Je sais pas qu'ils sont rendus les autres en plus. Ah, c'est bon ça, allez. Voilà, fouillez. Hop. Et il n'en reste plus qu'un, il est rendu où l'autre? Il s'est barré comme un péteux. Oh, allez, il est où? Je t'aurai, je m'en fous, je t'aurai. Merde. T'es game assez blanc. Allez les gars, allez, voilà. En même temps, il était déjà bien, bien mort, donc. Faut le fouiller? Hein? C'est quoi cette merde? Je peux pas le fouiller, non, sérieux. Vous tirez sur quoi, vous, par contre? Et des fois, vous faites peur. Ben, bon, on pouvait pas le fouiller. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Ah, une nouvelle plante qu'on a découvert. Une pierre de drac. Ah, c'est des pierres petits volcaniques, j'ai envie de dire. Je sais pas, ça va un peu penser à ça, en fait. Fer. Excusez-moi les gars, je peux récupérer mon fer, merci. Voilà. Ben. Bonjour. Un problème toi mon gars? Allez, 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 ouais. Allez, il n'en reste plus qu'un. Bon, c'est un mage, mais c'est pas grave. Oh, la caméra de blessure. Oh putain, la caméra de blessure. Ah, oh, j'ai pris cher aussi. Bah, c'est bon, tout le monde est mort. Ah, c'est cool, Cassandra m'a réanimé, franchement. C'est cool, le mieux. Alors, il y a des choses à fouiller dans le coin. Bon, on va faire déjà par le haut. Voilà, et on va descendre. Moi, je prends tout. Moi, je suis pas quelqu'un de chiant. Hop, hein. La pierre encore. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la pierre volcanique. Moi. Vous savez, les nains n'aiment pas tous les grottes. Oui, bah, les nains, ils vont faire avec. Hein, parce que moi, voilà, je découvre la ville. Alors, voilà, si le nain est pas content, bah, le nain dégage. Je sais pas ce que je viens de dire. Non, mais oh. Ça respecter un petit peu. Il y a un pauvre cochon là qui est coincé. Il a trouvé sur le cadavre d'un nain. J'ai besoin que vous allez jeter un coup d'œil à une grotte dans les montagnes à côté de la route qui relie Golfroy à Dars. Si vous réussissez à éviter les mages templiers, ça vaut le coup. C'est le fillon le plus pur que j'ai jamais vu auprès de la surface. Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout fait. Il reste encore un peu de fer là. Voilà.
Bon, bah, c'est tout ce qu'il y avait à faire ici, de toute manière. Je pensais que ça était un campement, mais même pas, en fait. Bélier, bélier, bélier. Il faut, je trouve, un bélier. Non, mais ça, j'en ai fait 9, quoi. Et le dernier, même quand c'est les couilles, forcément, c'est toujours pareil, de toute façon. Je veux qu'on trouve un truc. Je veux qu'on trouve... Enfin, qu'on a besoin de cacher quelque chose, tu vois, le dernier qui nous font chier. Alors, tous les jeux, c'est comme ça, de toute manière, de toute façon. Je sais pas, je dois avoir le coup pour ça. Je sais quoi, je fais un jeu. Dernier truc, hein. J'ai chier pour avoir les 9 et tout, machin. Dernier truc. Eh ben, non, vas-y. Allez, là. Allez, les gars. Faites-vous plaisir, c'est le dernier. Non, ben, il y en a deux en plus. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça pousse-toi. Pourquoi je peux pas le prendre, le dernier? C'est comme tout à l'heure, si c'est bon. Voilà, donne la viande de bélier au chasseur. Et voilà, maintenant je retrouve, je vois partout. Non, mais voilà, voilà, 36-15 ma vie, voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez. Putain. Hop, bon, allez. Hop, on va redescendre. Hop. Et on va donner ça au chasseur. Parce que les habitants sont morts de faim. Ah, ils vont mourir de faim, là ils ont faim, mais ils vont bientôt mourir de faim. Là c'est un ami en fait, c'est ça. Allez les gars! Mais putain, mais ça m'énerve qu'ils se barrent comme ça quand je les attaque là, putain! C'est pas de couilles! Peur d'une meuf! Triste! Allez, hop. On a perdu qui? On a perdu Cassandra. Ah, merde. Allez! Tranquille. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà! C'est bon, ça, mon gars. C'est bien. Ouais, tu vas arriver. Ranimer tes potes. Voilà. Et Shina, bien gentille, est partie ranimer. Non, même pas. Tout le monde a rien à foutre de Cassandra. Tout le monde limite, il marche dessus, tu sais. On a rien à foutre. Ah, il en restait un. Putain, je l'avais pas vu le dernier. Ah, attends. Toi, tu vas attaquer comme ça, toi, sans prendre de potion. T'es pas un peu malade sur les bords. Allez, ah, lui c'est bon. Lui c'est réglé. Hop là, tu m'auras pas. Allez les gars, il ne reste plus qu'un, je crois. Allez, c'est bon. Ok, ok. Ouais, c'est ouais, parce que ton merde, ça t'en avais marre de lui. Ah, ça pique le feu, hein. T'aimes pas ça, hein. Voilà. Allez, Varric, lève-toi. Lève-toi et marche. Ne vous inquiétez pas les gars, on va retourner au campement. On va retourner au campement, soigner après. Nickel. Croquis de bastion de canard. Eh, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais tant pis. C'est pas grave. On verra ça par la suite. Alors, on va fouiller. Hop, on prend la soie. Hop, on fouille. La soie toujours. Et là. Un casque de soldat et la soie. Ok, bon bah allez, on va y retourner de toute façon. Hein. On va retourner dans notre village. Et après, on va aller dans notre campement. En espérant ne rien croiser, Elfini. J'aime pas, enfin j'aime pas. J'en ai plus besoin, Elfini plutôt. C'était là le campement. Ou pas, non, c'était même pas là le campement, mais c'est à vous d'ailleurs. Ah oui, c'était là, d'accord. Ok, c'est bon, je me repère. Oh putain, non, tu vas me dire que ça c'est trop à sauter, non, mais c'est pas grave, on va faire le tour. Normalement, il n'y a rien sur notre chemin, enfin, pas de grands méchants, ni de méchants loups.
puisque la fois on est passé par là et on avait tout enlevé, enfin tout combattu. Donc on va y aller tranquillement. On va prendre le fer au passage, hein, ça coûte rien. Voilà. Bonjour les gars. Hop, c'était là. Mage, Templier, bandit, bonjour. Démon. C'est devenu dangereux d'aller chercher cette quittance. Tenez, ça devrait faire l'affaire. C'était inespéré. Je peux redonner espoir à tous ces gens et remplir leur ventre vide. J'avais des a priori sur l'Inquisition, et vous êtes les seuls à nous venir en aide. Je m'étais peut-être trompé. Ah, on est des gentils, nous, t'inquiète. Croyez-vous que le conclave pouvait apporter la paix, Cassandra ? J'en avais l'espoir, comme tout le monde. Les Templiers sont partis en guerre pour enfermer les mages dans leur cercle, ce qu'ils n'auraient jamais accepté volontairement. Quelle solution la divine Justinia pouvait-elle proposer, alors qu'un compromis était rejeté par toutes les parties ? La guerre n'apportait rien à personne. Le fait qu'ils y soient allés prouve qu'ils s'en étaient rendus compte. Ou qu'ils pensaient que la partie adverse fléchirait. J'ai distribué ce que vous avez rapporté. Personne ne mourra de faim. Bon. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, du coup, on va se retrouver dans le journal. Les marches solitaires, maître de l'écurie. Je vais ramener un peu les cartes. Alors, un jeune noble nommé Bertrand a intégré le culte dans les collines. Il s'inquiète du fait que son amante Veina ne l'a pas encore rejoint. Informé Bertrand de la mort de Veina. Ok. Ben, on va faire ça. Parce que c'est un peu dans le chemin, entre guillemets, pour aller jusqu'au campement. Et comme moi, je vais dans l'accampement pour reposer mes gars. Comme vous pouvez le constater, ils sont encore malades. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, faut essayer de retrouver le campement. Normalement, ça devrait pas être bien dur vu que c'était à côté. Ça doit être par là. J'ai une mort de poisson rouge en plus, c'est terrible. Si c'est une découverte, forcément, ça ne va pas. Mais bon, on va continuer. Des fous. On est des fous qui se barrent. Aïe 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 mon dieu. Ouais, il me reste plus d'autres potions. Allez les gars, ensemble, tous ensemble, tous ensemble, allez. Allez, allez, allez. Voilà, y'a personne qui est mort, c'est magnifique ça. Oh putain, d'accord, c'est une brèche. Ok, c'est une brèche. Vas-y, perturbe. Allez, allez, allez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non. Ouh là la vache. Ouh la vache. Ouh la vache. Ouais, j'ai un peu vidé trop haut, je crois. Non, faut que je retourne au campement. Faut que je retourne au campement voir les potions et les reposer. Bon, réfléchissons où est le putain de campement. Ouais, si je prendrais la carte, c'est peut-être mieux aussi. Non, c'était pas comme ça la carte, c'est dans quoi déjà? Non. Non, merde, je sais plus la carte. La carte. C'est pas un journal? Non. Là, je suis con, hein. Franchement, non mais. Enfin bref. Campement des abords. Ben voilà, c'est le campement des abords. Si, c'est ça, c'est notre campement à nous. C'est la seule toile de temps, de toute façon. Donc.
je rentre sur place? Oui. Oui, je vais me rendre sur place. C'est triste. Le pire, c'est qu'en fait, on pourrait mettre un truc en plein milieu de l'écran, mais limite, je le verrais même pas, en fait. C'est terrible. En plus, c'est même pas le bon campement que je voulais. Voilà, hein, c'est pas grave. On s'en fiche. Hein, du moment qu'on s'est reposé, j'ai envie de dire, on s'en fout du reste. Tiens, bizarrement, je connais cet espace. Bizarre. Alors, hop là. Franchement, je suis toujours aussi émerveillé par le graphique du jeu, quoi. Graphisme du jeu. Je trouve vraiment bien fait, en fait. Enfin, c'est vraiment du réalisme, quoi, parce que... Enfin, pas non plus du réalisme, mais... Je sais pas, j'aime bien. Ah. Ah, ça pète. On s'en fout, on a des potions, on est prêt à se battre, où y a pas de souci. On voit strictement rien, c'est génial. Allez, on bouge. Allez, perturbe. Voilà. Bon, toi t'es mort. Oui. Voilà, Cassandra toujours dans les pattes, toujours à combattre le même que moi, ça c'est pas. Ça n'a pas changé depuis qu'on se connaît, hein. Ah, elle perturbe. Putain, mais les gars, protégez-moi, merde. Allez, voilà. Allez, troisième vague. Troisième et dernière vague. Allez. Alors, on va fouiller vite fait. Et on va fermer la file. Voilà. En dehors des donjons, vous pouvez utiliser la carte des quêtes pour atteindre les lieux éloignés. Appuyez sur Option et sélectionnez la carte des quêtes dans le menu Héros. Appuyez ensuite sur Triangle pour accéder à la carte du monde et rejoindre les zones que vous avez découvertes. Ok. C'est sûr que, voilà, en me disant ça comme ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple, hein, mais c'est à l'heure que j'aurais voulu le savoir. Enfin, le savoir. Qu'on me le redise plutôt, parce que tout à l'heure j'étais un peu dans la merde. Alors, il y a une autre chose là. Appuyez. Hop. Encore autre chose là-bas. Bon, ça on connaît encore une fois, hein, c'est la même chose. La putain de truc de filet de merde. C'est quoi la maison qui brûle là? C'est quoi le truc qui est la merde là? Ok, d'accord. Allez les gars, allez. Je vais tenter. Allez, je te laisse, Cassandra. Ah, ça c'est mort. Ah oh, putain, sérieux, la flèche de merde. Ça m'énerve, c'est toujours des petites flèches, vous savez. Ah, t'as pas aimé apparemment, mon garçon. Allez, voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait ranimer Ah bah c'est bon, elle est réanimée. Je me disais, merde, où suis-je? Voilà. On fouille. Prends tout. Hop. Donc qu'est-ce qu'elle sait que sa maison? Ah bah il y a les clés sur la porte en plus. Ah non, faut qu'elle croche. D'accord, c'est autant pour moi. Mais on s'en fout, elle sait se crocheter. Elle sait crocheter, y'a pas de soucis. Hop. Oh, c'est quand même bizarre qu'elle craint pas le feu, quand même. Je trouve ça assez bizarre. Mais bon, tant mieux. Comme je disais la dernière fois. Bizarre, mais tant mieux.
un peu de lecture. La même, je vous laisse pour le lire. Bon bah voilà, 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 on a fait le tour. Hein. Plus à dire. Bon, à la base, on partait voir Béran. Voir Béran pour lui informer la mort de Vanina. À chaque fois, je pars faire quelque chose, de toute façon. Et à chaque fois, je ne fais pas ce que je veux, je suis en train de faire autre chose. C'est, ça devient psychologique, hein, je crois. Oh, bonjour. Ces salauds de Templiers ont tué mon mari et lui ont volé son alliance. Ils méritent de crever. Ils ont tué votre mari ? Vous dites que les Templiers ont attaqué votre mari ? Ouais, il était en train de déraciner une souche. Ces dégénérés savent même pas faire la différence entre une pelle et un bâton de mage. Faut pas prendre de risques, qu'il disait. Les rebelles nous tombent dessus sans arrêt. Bande de barbares. Ils lui ont volé son alliance. Au cas où elle serait magique. Ok. Non, c'est clair que si... que s'ils savent pas reconnaître une souche... Enfin, une... Pourquoi une pelle, d'ailleurs ? C'est pas une pelle qu'on prend pour abattre une souche d'un arbre. Elle est con, elle, quoi. Enfin, bref, s'ils ont, fait confondu entre un bâton à mage et puis ça... Ils ont pas inventé l'eau chaude, comme on dit, hein. Franchement, ça se remarque, hein. Alors, c'est pas grave. On va pas leur en vouloir. Ce n'est que des Templiers. Putain, c'est de l'autre côté, quoi. Il y a un passage, de toute façon. On va m'amuser à grimper à la montagne, quand même. La, la, la. Voilà le passage. T'as un chouette. C'est chouette, hein, je suis passé devant, je l'ai même pas vu. C'est pas mal. Bates, bon sang, où est-ce que t'es ? Oui, c'est vrai que c'est toi qui cherches quelqu'un. Ouais, c'est pas mal. C'est... Piotr s'est cassé la gueule, du coup. Tout à l'heure, j'étais tellement à fond dans mes béliers que j'ai dû aller choper les choses. Tiens, bah voilà mon campement que je cherchais, tiens. Voilà. Se reposer. Reposez-vous un petit peu, les gars, parce que là, ça va pour. Hop, on va remonter. On va... Bizarre, j'ai pas votre potion, en fait. Il y a un élément, enfin... Ça a l'air d'être débloqué, mais... Je sais pas, c'est bizarre. Je regarde si c'est possible. Hein. Bon, ça a l'air d'être possible par là. Allez. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Allez, allez. Eh, franchement, ma grosse, si t'arrives pas à monter jusque-là, on n'est pas rendu. Allez! Oh! Pas possible, ça. Putain, 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 putain. Bon. On va encore faire le tour. Je vais te mettre la carte des cages pour savoir où c'est. Ah ouais, c'est dommage, j'ai plein de quêtes par là. Ouais, donc... Ok, ok. Okay. On va y aller. Noble dame. J'aime beaucoup comment il m'appelle ici, noble dame. Bon, on va aller par là. Ah, quelle idée d'habiter aussi haut, franchement. Lettre trouvée sur le cadavre d'un Templier. Elendra. J'ignore cette lettre vous parviendra, mais que pourrais-je faire? Les dernières forces, si mes mains tremblantes, ce n'est que de vous écrire. Bah ouais, hein, franchement, quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, il y a deux lettres en plus. On écrit. Alors. Bon, continue par là. J'aurais dû aller par là tout à l'heure, hein, et c'est bourré de béliers, ça. Il va me faire chier courir partout. Là.
pas, une nouvelle... une embrume. Ok. Ouais, je vois quand même à quoi servent les plantes. Parce que c'est bien beau de les récupérer, mais si on ne sait pas à quoi ça sert, ça n'a aucun intérêt. Bonjour. Je vous connais. On vous appelle la messagère d'Andraste depuis des endroits à Ada. C'est vrai, alors ? Les créateurs ne m'ont rien dit. Je pense être l'élu. Je suis la messagère d'Andraste. Et vous prétendez avoir une influence sur les failles que le créateur a ouvertes dans le ciel ? Je peux refermer les failles, oui. Alors prouvez-le. Montrez-moi que les failles vous obéissent, qu'elles obéissent au créateur. Faites-moi voir votre puissance. Votre culte, quelles sont ses croyances au juste? Qu'est-ce que vous pensez de ces événements? En s'effondrant, la chanterie a révélé ses imperfections. Le cantique de la lumière n'était qu'un mensonge. C'était arrogant de croire que des mortels pouvaient embrasser la volonté du créateur. Désormais, on attend en silence. Le créateur a ouvert le ciel. Il rappellera bientôt ses élus à la cité d'or. Ok, salut. Au plaisir. On se reverra. Ça ne m'étonne pas que des gens vénèrent la brèche, ne serait-ce que dans le pouvoir de l'apaiser. C'est derrière, il y a un truc important derrière. Vous savez les trucs qu'on a appris là, quand ça vibre. Voilà, ça vibre là. Bon. C'est peur là. Hein. Et voilà. N'alcool de ténasse. Voilà. Trouver un alcool. Ah bah tiens, la Seigneur Béran. Madame Vélina devrait déjà être là. Nous voulons être ensemble pour l'arrivée du créateur. J'ai trouvé le corps inanimé d'une femme en contrebas, avec une lettre. Cette lettre, Vélina est morte. Mais nous devions être ensemble. Le créateur ne nous aurait pas séparés comme ça. Que vais-je faire maintenant? Rejoignez l'acquisition, ça doit trop de foutre rentrer. Rejoignez l'acquisition. L'acquisition a besoin de fidèles engagés comme vous. Venez nous aider à rétablir l'ordre. Oui. Si des innocents meurent pendant que moi j'attends dans les collines, je servirai la volonté du Créateur par l'épée. Mes hommes et moi-même mettrons nos forces au service de l'Inquisition. Merci. Yes. Agent recruté. Donc maintenant, mon avis, je peux prendre lui à la place de, par exemple, Cassandra ou quelqu'un d'autre, quoi. Donc je trouve ça très bien. On peut leur parler encore ? Merci encore. Dame Vélina aurait adoré ce temps. Ok. Regardez quoi, les mecs ? Rien. Bon, ben, on va redescendre. De toute façon, ça reste en haut. Je pense que dans l'équipe, il y en a qui vont sauter. Il y en a qui me saoulent un petit peu. Hein, ma Cassandra? On saoule un petit peu les gens, quand même. Hein, c'est pas qu'elle me saoule, c'est qu'elle j'aime pas, en fait, son caractère. Vraiment le caractère de je sais tout. Voilà, tu vois. J'aime pas ça. Je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Je dois vous avouer que je suis surprise que vous ayez décidé de rester, Solas. Pourquoi? La brèche nous menace tous. Oui,
Bon les gars, au lieu de parler, vous pouvez pas faire autre chose, par exemple m'aider un petit peu, non, c'est pas possible ça. Ah, tous deux par terre comme deux glands. Vous avez vu, ils sont tombés par terre comme deux glands. Allez. Putain. Qu'est-ce qui branle les autres là, au lieu de discuter, putain, c'est chiant ça. Ah. T'es prêt, hein? Allez, allez, on nous protège, allez. Les gars, je suis par terre, vous voyez pas, je suis derrière vous, bande de nazes. Putain! Ah, ça c'est mort. Allez, 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 on s'en fout. Allez, putain. Ah putain, le bordel de merde! C'est quoi ce truc de malade qu'on fait que tomber partout? Putain, mais... Je peux même pas me relever. C'est quoi ce truc de ouf? Voilà. Non mais franchement les mecs là, je sais pas, prenez des potions. Allez, prends une potion. Toi la même, prends une potion. Et restez là. Allez, voilà. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Plus calme. Voilà. Prends tout. Hop. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'inventaire. Dans les armes, bien sûr. Ok. Alors, toi, t'as le bâton de foot d'acolyte. Un bâton d'aspirate. Et celui-là, apparemment, il fait beaucoup plus mal. C'est quoi, c'est énorme? Non, c'est un bâton. Oui, c'est un bâton. Je suis un tout à fait juste là, putain. Toi, t'as quoi? T'as ça. Non, c'est la masse, toi, excuse-moi. Non, t'as pas la masse. T'as un... Qu'est-ce que t'as déjà? Je sais plus. T'as la hache de combat, voilà, avec un bouclier. Donc, la hache de combat fait 77. Donc ça je pourrais te donner du coup à la place. Voilà, et du coup tu seras enfin t'auras un meilleur équipement. Ensuite moi. Mais moi en fait je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire. Avec du dragon et à droite j'ai la glaive, c'est l'arc long. Ok. On ferait en armure, on va prendre la même armure d'éclaireur, elle fait 84. Et pour l'instant, j'ai 50. Voilà.
Alors, avec celle-là, elle fait le 73. Ouais, c'est le 84. Et en plus, elle protège des flèches. Et comme je suis quelqu'un qui se prend beaucoup de flèches dans le cul, hein, clairement. Oui, on est habitué hein, à ce que je me prenne des flèches dans le cul. Hein, on l'a vu plusieurs fois. Et ben, là, ça nous ferait peut-être du bien d'avoir ça quand même. Hein. Ah, c'est bon, tu. Bon, je suis un personnage. Qu'est-ce que ça le fait bien? Chapeau d'enduré. On va mettre ce casque-là. Avec une armure, pourquoi tu peux pas la prendre celle-là? Faut être China, ok, d'accord. Et puis voilà. Là, faut être un guerrier, ok. Ensuite, casque. Bah, tu vas prendre celui-là, hein, mon garçon. Ah, faut être au niveau 9. Bon, ben prends au moins ça, quoi. Enfin, prends quelque chose. Parce que, franchement, si vous prenez rien, les mecs, enfin, je veux dire, il y a un temps où ça va être triste, quoi. Code de maille. Voilà. Je t'ai mis quoi en fait? Je mets code de maille défenseur. Ouais, c'est bon. Toi, je t'ai mis l'armure d'éclaireur. Et toi, j'ai pas d'armure pour toi. Je suis désolé, mon garçon. Ça, c'est pareil. J'ai pas d'armure pour toi. Accessoires. Ceinture à fortifiant amélioré. C'est-à-dire, augmente du nombre indiqué les capacités de tous les fortifiants. Ok. Amulette de constitution. Ouais. Une tête avec plus de 2% d'attaque, 5% de bonus de dégâts à revers, plus de 2% de chance critique, 5% de dégâts critiques, 5 dégâts bonus sur garde, défense magique, résistance au feu. Et ben moi je vais prendre résistance au feu. Dégâts critiques. Non. En fait, c'est une amulette, une ceinture. Non. Rien. Ah, ma mince alors. Non. Eh non, mais non, mais non, mais non. Bon. L'amulette, on va prendre. De toute façon, l'amulette, on en a qu'une. Après, on va prendre un anneau d'attaque. Une ceinture de résistance au feu. Et voilà. Ensuite, pour lui. Ah, lui. Non, on prend lui, ouais, d'abord. Défense magique, vu que c'est quand même un magicien. Ceinture fortifiant, ouais. Non, défense magique, on va les laisser. Dégâts critiques. Ensuite, elle. Elle, on va les mettre quoi? Attaque revers. Ceinture de la grenade. Coup critique. Non. Et ceinture à fortifiant.
ça aide pas mal. Ensuite, amélioration. Bras du pourvoir d'éclaireur. Cette amélioration ne peut être fixée qu'aux amis intermédiaires. Ok. Fais tout le tour. Il n'y a rien de plus. Ensuite, matériaux de fabrication, du coton, du cuir. Bon, ça c'est tout ce que j'ai pris en fait. Ok. Objet de valeur, donc ça c'est des choses à vendre. Vraiment ce qui vont rapporter de l'argent. Schéma d'armes, arc de chasse. Ok. Schéma d'armure pour pouvoir d'éclaireur. Recette. Et ben voilà, ça y est, c'est bon. C'est tout, il me semble. Ok. Bon, ben voilà, les amis, on a fait un petit peu le tour avant de se quitter. Donc on se laisse là, puis n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, mettre un j'aime, et me dire surtout ce que vous en pensez de la série, du gameplay, de la série Dragon Age Inquisition. Moi personnellement, je suis vraiment fan, enfin franchement, je kiffe vraiment. Plus les épisodes passent, plus vraiment je m'accroche au jeu. Donc voilà, donc j'espère que pour vous c'est la même chose. Et puis on se retrouve pour l'épisode du coup 5 de Dragon Age très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne vidéo, et puis voilà. Allez, à plus les gamers.